Il y a des jeux ou séries de jeux que tu fais jamais pour diverses raisons, et c'est un peu mon cas avec la série Oddworld. Forcément, hein, vu que j'étais chez Nintendo et pas PlayStation, c'était compliqué. Oddworld, c'est une série de jeux mettant en scène un petit alien. Les aliens, ça existe pas! Putain, mais même quand j'essaye de faire une intro sérieuse, faut que tu viennes me faire chier! Salut petit noob, j'espère que vous allez bien. Donc pour la vidéo du jour, j'ai décidé de vous parler de Oddworld Soulstorm, sorti le 6 avril 2021 sur PS4, PS5 et PC. Donc comme je disais tout à l'heure, je n'ai jamais joué à un Oddworld, alors on va voir ce que cet opus nous réserve. Alors non, ce coup-ci, je ne vous parlerai pas de personnages buggés qui n'apparaissent pas, hein, non, non, vraiment, ce coup-ci, on peut se balader tranquillement dans la map. Ben voyez comme c'est plaisant d'enfin pouvoir jouer tranquillement dans une map bien modélisée, et ben non, en fait, hein. Bon, ok, allez, c'était un faux départ, maintenant, on peut se balader tranquillement. Bon alors, ou c'est moi qui ai pas compris le jeu, ou c'est le jeu qui me prend complètement pour un con. Ouais, bon, c'est vrai que les deux sont possibles. Mais pour cet exemple, avouez quand même que ça vient pas de moi. Alors ce qu'il y a de bien avec un jeu de plateforme, c'est qu'il y a énormément de plateformes et que vous devez pas mal interagir avec ces plateformes. Bon, bah ça c'est dans la logique. Hein, parce que dans les faits, ça se passe souvent d'une autre façon. Hein. Ok, je la retente. Et merde! Bon alors ok, celui-là, il est facile, mais vous allez voir, le prochain, il est quand même vachement vicieux. Bah en soi, c'est pas compliqué, hein, faut juste descendre à l'étage inférieur sans se faire défoncer par ce gros tampon. Mais même en faisant attention, il n'y a pas moyen de passer. Qu'importe ce que vous essayerez, le jeu veut pas que vous continuez. Bon alors par contre, moi je veux bien que vous vous abonniez, hein. C'est motivant pour la suite et c'est toujours bien de se sentir soutenu, hein. Alors vous savez que quand vous avez des IA qui sont censés vous suivre, hein, il y a quand même une chance sur deux que ça parte en couille. Et je vous mets pas de suspense, hein, Oddworld Soulstorm n'échappera pas à la règle. On a pour commencer vos potes qui feront du surplace, à croire qu'ils veulent pas se sauver, hein. Et on a ceux qui, au lieu de se sauver, préfèrent récurer la zone. Alors je vous avoue que les jeux d'infiltration, c'est vraiment pas mon truc, hein. J'ai pas la patience pour perdre et recommencer tout le temps. Alors je vous avoue que quand il y a un petit bug pour me donner un petit coup de pouce, bah, c'est pas pour me déplaire. Alors on a un ennemi qui visiblement ne sait pas quoi faire de vous. Hein. Ah bah si, et visiblement il est de droite lui. Et on a sinon celui qui hésite un coup sur deux. Hein. Oh, un ennemi. C'est quoi la procédure déjà? Toi là-bas, là, c'est quoi que je dois dire après? La cerise sur le gâteau, la mine qui vous pète à la gueule. Mais faut croire que c'était une mine à blanc. Hein, une mine à blanc? Rassure-moi là, t'es au taquet ou tu peux faire encore pire? Voilà les petits noobs pour ces bugs sur Oddworld Soulstorm. Et vous, quel bug vous avez rencontré? Dites-moi tout ça en commentaire. Avant de partir, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, mes petits noobs, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous et de votre famille. Sur ce, portez-vous bien. Ciao, bye bye.